Ben bon, on se retrouve après cette deuxième journée de la phase 2 des 15 féminines qui recevaient aujourd'hui Millery-Bourne. Ben, on conclut le match par une victoire. Oui, une victoire importante parce que les filles étaient à charge de revanche. On les a eues en première phase et on avait vraiment pas fait ce qu'il fallait là-bas. On avait fait un bon match, on avait perdu 3-1, donc on était bien concentrés sur cette revanche. On gagne 1-0, je pense que c'est logique. Ouais, c'est logique, c'est même plus que logique parce qu'elles ont été très dominatrices, elles ont bien occupé le terrain adverse, mais bon, ça a quand même. On n'était pas à l'abri. Non, à 1-0, on n'est jamais à l'abri, hein. On peut prendre un contre ou un but bête. Après, au niveau du jeu, oui, c'est sûr qu'elles ont respecté les consignes, les fondamentaux sont respectés. Sur le plan tactique, ça va de mieux en mieux. Après, il y a un petit point offensivement où on pêche, mais bon, c'est normal. Ah, la finition. On a eu quelques occasions, la finition n'était pas là. Bon, allez, les 3 points sont là, c'est l'essentiel. Ouais. Bah, 2 matchs, 2 victoires, une deuxième phase qui commence bien. Oui, bah après, on ne se met pas d'objectif, hein. On fait match après match. Si on perd, comme je leur dis, c'est parce qu'on a plus fort en face de nous et qu'on fait ce qu'il faut. Et puis si on gagne, c'est parce qu'on est plus fort. Voilà, après, là, 2 matchs, 2 victoires, on gagne 2-1 le premier, là 1-0, là le 2. Le 2 mars, on va Vinicius sur un match en retard, donc on verra bien. Bah, si elles ont la même envie, ça sera peut-être pas mal. Hein. Donc on espère que ça se terminera par une victoire aussi. On espère, on verra. Ok, et ben on verra ça. Merci beaucoup, bon fin de dimanche. Merci à toi, bon dimanche.